Bien, reprenons. Ça se passerait mal. Je suis mal placé. Surtout, j'aurais pas dû attendre pour tirer dès le début. Mais j'aime pas tirer à l'aveuglette. Thank you.
va y arriver, on va y arriver. Thank you.
l'intérieur du dôme lunaire, tu trouveras un accès à la zone de maintenance. Cherche une porte sur la paroi externe au sommet du dôme. Qui mène à la cage d'ascenseur.
J'espère que les ascenseurs n'ont pas été endommagés par l'explosion. Je crois qu'ils sont en parfait état de marche. Désolé pour les deux à l'intérieur de l'ascenseur. Peut-être qu'ils sont pas morts. Hein. J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que tu vois ? D'anciens artefacts, anciens mais d'une technologie avancée. Des parchemins, on dirait de l'hébreu. Les nazis doivent essayer de comprendre comment fonctionnent ces trucs. Est-ce que tu vois quelque chose de spécial ? Date, Yishud, Delta Alpha apostrophe, Alpha Tango Espace Yankee India Charlie Hotel Uniforme Delta. Vous trouverez peut-être des choses en relation avec ça dans nos archives, Alia. Essayez de chercher des références à Dat Yishu. D'accord, très bien. Soyez prudents surtout. Autant pour moi. Je l'apprécie, Blaskowitz. Excellente trouvaille. Pense à nous rapporter le maximum de choses que tu trouveras sur ce Dat Yishu. D'accord. Oh, quelle transition. Startet.
petit réseau de plomberie derrière la paroi. Il devrait y avoir un accès près du sol. Cherche bien. Bah voilà comment on faisait pour aller au-dessus. Environ deux étages au-dessus, il y a un accès qui conduit directement au hangar. C'est dans le hangar que sont entreposés les prototypes du projet Murmure. Rome, 2 septembre 1960. Un nouvel article scientifique publié aujourd'hui a révélé le résultat d'une récente étude sur l'hybridation animale menée par un groupe de bio-ingénieurs du London Nautica. « Je verrai bien un croco-canard dans un avenir proche », a déclaré un chercheur enjoué quand nous l'avons interrogé sur les implications pratiques de ses recherches. Narmol. La phase d'infiltration s'avère difficile. Parce que les machines me tirent dessus, mais l'officier ne déclenche pas l'alarme. Ou ils n'ont pas de renfort.
Ah. Faut que je fasse un peu les défis aussi. Les défis consistent à tuer quelqu'un en glissade. Ah putain, faut que je recommence l'infiltration. Ah mais merde!
Oh la vache. Je pensais pouvoir le retirer. Putain. Ah, ils ont plus d'énergie. Madrid, 3 octobre 1957. Le plus grand pont jamais construit a enfin été inauguré hier soir devant un rassemblement des plus éminents politiciens nazis et de quelques citoyens modèles triés sur le volet. L'honneur de couper le ruban est évidemment revenu à notre cher Führer, venu spécialement de Berlin ce matin, qui a ensuite donné un discours bref mais mémorable devant l'impressionnante structure qui traverse le détroit du Gibraltar. C'était si émouvant que j'en avais les larmes aux yeux, a déclaré Wilma, une commerçante locale. Il est tellement habile avec les mots. Elle n'est pas la seule à avoir eu du mal à contenir ses émotions. Oui, non, je vais pas essayer. L'ingénieur en chef du projet a reçu un remerciement spécial de la part du Führer. J'en reste sans voix, a déclaré Grunwald. Voilà. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Ouais, je suis sûr que tout le monde pensait ça, ouais. Cassé, sans blague. Bien joué, Blasco. Ne bouge pas, tu as de la visite. En bon sens, attention. Oh non, Klaus. Klaus, est-ce que ça va? Au poil, mon gars, rien de cassé. Nom de Dieu, Klaus! Fais attention, je veux pas ta mort sur la conscience. Capitaine, aidez Caroline à s'installer aux commandes du dernier hélico. Thank you.
héros. Mon héros. C'est pas dangereux de voler aussi proche les uns des autres ? Il me semblait qu'on avait besoin des pieds pour piloter un hélico, moi. Comment t'as fait pour survivre ? Je te croyais morte. Mes souvenirs sont flous, mais je me rappelle avoir connu Hans Grosse. Et d'avoir filé à travers le ciel. J'ai presque cru que j'arrivais au paradis. Et je suis tombée, j'avais mal. C'était épouvantable, comme si mes entrailles me sortaient par la colonne vertébrale. J'étais paralysée, j'ai dû ramper. On m'a retrouvée dans un fossé au bout de 3 jours. Ensuite, j'ai passé de très longs mois dans un lit d'hôpital. On me plantait toutes sortes de tubes dans les veines. Une infection, ce sont des choses dont je préfère ne pas me rappeler. Je suis désolée pour tes jambes. Mais non, j'ai appris à voler. Nouvelle priorité. Que sont les dates Yishud ? Comment peut-on les contacter ? Anya, que savons-nous ? Pas grand-chose, mais j'ai ma petite idée. Bien. Anya, vous allez mener les recherches. Blaskowitz, tu vas l'aider à réunir tout ce dont elle a besoin. Ya ? William, j'ai besoin de toi. Tu peux venir voir une seconde ? J'ai trouvé des pistes intéressantes. Ce parchemin explique comment fabriquer un super béton. Tu crois que c'est ce que les nazis ont utilisé pour construire toutes ces atrocités en béton ? Oui. Tout, même ce bâtiment. Ils n'utilisent que ce type de béton. C'est pour cette raison qu'ils ont pu bâtir toutes ces villes aussi vite. Maintenant que l'origine de ce béton est établie, j'aurais besoin d'un échantillon pour l'étudier. Est-ce que tu pourrais chercher un morceau de béton sur lequel de la moisissure s'est développée ? Si tu veux pouvoir prélever un échantillon, il faut qu'il soit bien poreux. Tout ce que tu voudras. Et au fait, il y avait une liste cryptée des membres de Dat Yishud qui étaient en Pologne pendant la guerre. Je voudrais la comparer avec les registres officiels allemands des citoyens juifs. Et en particulier, entre les années 1939 et 1945. Regarde si ces registres sont aux archives. Je m'en occupe tout de suite. Attends, une dernière chose. C'est très important. Quoi ? Ce sera tout. Tu peux y aller. Classique. Pas la peine d'essayer d'ouvrir cette porte. Il me semble que Wyatt a une clé. Londres, 15 mai 1953. Dans un juste retour des choses, nos amis de la résistance à Berlin ont suggéré qu'un nouveau type de moisissure aurait commencé à infester la structure du Reich, faite du superbéton. On a déjà lu cet article. Problème de moisissure. On dirait qu'elle a envahi l'immense système de ventilation souterrain. Wyatt,
J'ai besoin des clés des archives, tu les as? Ouais, je vais voir. Putain, il manquait plus que ça. Qu'est-ce que c'est? Des plaques. Celles du commandant Fergus Reed de la Royal Air Force. Je les ai prises sur son cadavre. Je voulais les renvoyer à l'armée, mais il n'y a plus d'armée maintenant. C'était un sacré pilote et un vrai soldat. Je suis vraiment pas fait pour ça. Pas fait pour quoi? Pour ça. Pour tout ça, j'avais 18 ans quand d'un seul coup on a perdu la guerre et le mal s'est répandu sur toute la planète. C'est moi qui me suis retrouvé à recoller les morceaux, à entretenir la résistance contre l'Empire nazi tout entier. Vous vous imaginez que j'étais prêt pour porter une responsabilité pareille? J'ai tué tellement de gens bien à cause de mon ignorance. Vous vous souvenez de Prendergast? Ce mec aurait survécu à n'importe quoi, increvable. Ben, je l'ai envoyé en mission un jour, il est jamais revenu. Sur ce coup-là encore, je me suis bien planté. Le commandant Fergus Reed. Il aurait su quoi faire. Il aurait sauvé plein de vies. J'ai fait le mauvais choix. Vous avez fait un choix à la con! Vous entendez? Vous avez laissé un gamin faire un travail d'homme! C'est moi qui aurais dû crever, capitaine! Et c'est Fergus Reed qui aurait dû vivre! Écoutez, je suis plus un gamin, capitaine. Je sais reconnaître les erreurs. Tenez. Et foutez-moi la paix maintenant! Voilà, et bien sûr, si on avait fait l'autre choix, il se serait passé la même scène. Fergus aurait déclaré qu'il n'avait que quelques années devant lui, alors que l'autre jeune en aurait eu beaucoup plus. Du détergent. Ils tiennent à la propreté ici. J'ai besoin d'une scie circulaire pour prendre un échantillon. Voyons s'il y a des outils. Est-ce que tout va bien en bas? Max Horst? Sacrée chute, monsieur Trompe-la-Mort. T'es dans les égouts maintenant. Tu pourras retrouver ton chemin après avoir jeté un œil, hein? Sinon, il y avait aussi moyen qu'on m'envoie un câble et que je remonte par là. Des couteaux et ce truc-là.
Perso, je le sens pas de passer comme ça. Si ça vous dérange pas, je vais continuer mon boulot, hein. Mais qu'est-ce que tu fabriques, bon sang ? Une expérience. Tu fais peur à Max. Désolé, mon pote. Je savais pas qu'il craignait ça. C'est son fils ? Non. Enfin, si on veut... En fait, je n'en sais rien. C'est quoi l'histoire ? Klaus avait un fils autrefois, qui était né durant la guerre, un miracle selon lui. Ils avaient essayé pendant des années d'avoir un enfant, sa femme et lui. Ouais, il ferait un bon père. Pour un nazi. Le problème, c'est que son enfant est né avec un pied bot. Bien entendu, Klaus savait ce que ça impliquait, et il a supplié les médecins de ne pas le dénoncer. Quand la police secrète est arrivée pour emmener le garçon, Klaus et sa femme ont tenté de leur résister. Sa femme est morte, elle a pris une balle dans la tête. Et l'enfant aussi. Klaus n'a pas réussi à les protéger. Il se sent responsable. Je crois bien. Et il ne pourra jamais pardonner aux nazis. Je dois parler à Max, voir s'il va bien. Perdu et retrouvé. Je jure que j'avais aucune idée de où ils étaient. Merci, William. Laisse-moi faire les analyses. Je crois que je tiens une piste.
Vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans les archives ? Oui. J'ai quelque chose. Le super béton. Le matériau de construction préféré du Reich, qui s'inspire de la technologie de la Date Yeshud. Presque parfait, mais il développe des moisissures au fil du temps. Quelqu'un a modifié sa composition, quelqu'un qui connaît ses secrets. En analysant l'échantillon, j'ai trouvé une trace d'un type de calcaire qu'on ne trouve que dans le nord de la Croatie. Maintenant, regardez. Le nom de Seth Ross. Il apparaît à 3 reprises dans les documents de la Date Yeshud. Selon les registres officiels, il a été détenu en 1941 dans le camp de Lodze, puis envoyé dans un camp de travail à Belica, dans le nord de la Croatie. Et c'est ici que ça devient très intéressant. Les prisonniers de ce camp travaillent dans une carrière et en extraient une roche calcaire qui sert à fabriquer le super béton. À mon avis, c'est dans ce camp qu'on trouvera cette rosse. Le seul survivant de la Date Yeshud. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est un homme âgé, il est peut-être même déjà mort. Nous ne pouvons pas attaquer un camp de cette taille et espérer mettre la main sur lui avant que toute l'armée nazie nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas le choix. Quelqu'un va devoir infiltrer le camp. Incognito. Involontaire ? Tu t'en sens capable, Blaskowitz ? De toute façon, c'est pour le héros, c'est toi qui vas tout faire. Quel crétin. Ouais. J'ai été arrogant. Personne n'est jamais prêt à vivre un truc pareil. Schwerarbeiter aus, bitte, Frau Engel. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandant. Durch die Tür, Sausack! Le premier jour est dur, il faut l'accepter. Après, ça ne s'améliore pas. Ça fait longtemps. Je suis là, je sais plus, des semaines, des mois peut-être. On meurt vite ici, tu sais. J'affrontais les nazis en Afrique. Ils avaient poussé un temps, mais ça n'a pas duré. Ils étaient trop forts. Et là, j'essaie simplement de rester en vie, jour après jour. Je cherche un homme appelé Seth Ross. J'en ai entendu parler. C'est lui qui a passé le plus de temps ici. Il est au bloc 4, mais pour y entrer, il te faut le bon uniforme. Où est votre tente ? Cherche un prisonnier, là-bas sur ta droite, qui porte un uniforme du bloc 4. C'est lui, il s'appelle Milo. Il paraît que sa femme est consignée dans notre bloc. Il aura peut-être échangé son uniforme contre tien. Mais avant tout, il te faudra distraire les gardes. Merci. Essaie de trouver un moyen de distraire les gars, de surveiller. C'est le plan de la machine,
geschossen! David zur rechten und links mit ihm! Hast du eine Lampe? Verdammt! Milo, je sais où votre femme se trouve. Quoi? Qui êtes-vous? Je suis dans le même bloc qu'elle. Vous êtes sûr? Elle n'est pas morte? Vraiment, elle est vivante? Si on échange nos uniformes, vous pourrez vérifier par vous-même. D'accord. Vite. Na, wie sieht's aus? Können wir wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Brauchen wir unten ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, gehen wir saufen. Warum denn nicht? Aufgemerkt, Gefangene! Die Fabrik ist heute geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote Tor. Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. J'espère que tu trouveras vraiment ce que tu cherches. Mon nom à moi, c'est Bombait. William J. Blazkowicz. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi. Rotes Tor gefangen! Nous allons nous arrêter là.